Situé sur un gigantesque palmier artificiel, ce nouveau palace a été construit juste à la pointe gauche de l'île. À l'ouverture, il comptera 90 chambres, un salon de beauté avec salle de sport et une piscine extérieure, mais surtout trois restaurants, dont un monté au-dessus de la mer sur 65 pilotis, une première à Dubaï. Budget global, 150 millions de dollars. Un projet hôtelier colossal dans un Dubaï en crise où l'on dénombre déjà pas moins de 400 hôtels. Aux commandes de ce chantier, Olivier Louis. Pour le directeur qui a déjà ouvert 11 établissements de luxe à travers le monde, dont 3 à Dubaï, cet hôtel est un challenge de taille. Il est hors de question de ne pas ouvrir, hein. Il n'y a pas photo. À ses côtés, Michael Penn. C'est la première fois qu'il participe à l'ouverture d'un palace. Aujourd'hui, il court après les heures pour que l'hôtel soit prêt à temps. Chaque minute, il faut la gagner. Une minute, il faut la faire travailler comme une heure. Côté cuisine, ils se sont offerts les services de l'un des meilleurs chefs au monde, Yannick Aleno. Accompagné de ses chefs, il aura la lourde tâche de créer en un temps record les cartes des 3 restaurants de l'hôtel. Ça c'est trop, ça c'est trop, ça c'est trop. Tu peux en enlever carrément la moitié. Pour tenter leur chance à Dubaï, certains ont tout quitté, comme Fatima. À 21 ans, la jeune femme n'a que quelques semaines pour intégrer les standards d'un établissement de luxe. Tous ont accepté la présence de nos caméras pendant 45 jours. En coulisses, vous partagerez leurs doutes, leur joie, mais aussi leur épreuve pour venir à bout d'un projet hôtelier hors du commun. Ouvrir des établissements de luxe à travers le monde, c'est presque devenu une habitude pour Olivier Louis. Ça, c'est mon fief, vous voyez, ça, c'est mon... C'est chez moi, vous voyez, c'était mon anniversaire, vous voyez, il n'y a pas très longtemps. On m'a fait un petit cadeau, on m'a fait un gros gâteau et on m'a mis une petite voiture, vous voyez, on me connaît. Et on m'appelle, les gens, mon staff s'amuse. Les projets permanents, vous voyez, puis quand je fais une augmentation, je négocie dur, vous voyez, peut-être le bâtisseur, voilà. Vous voyez, c'est... Vous avez monté combien d'hôtels dans le pays ? Quatre sur Dubaï, alors en tout, quand je regarde sur ma carrière les projets d'ouverture, Paris, New York, Los Angeles, Houston, Boston, Londres, Phuket, l'île Maurice et 4 sur Dubaï. Ça en quelques années. Mais... 11 hôtels qui ont tous connu le succès. Mais pour son dernier né, Olivier Louis est un peu plus inquiet. Car malgré la crise, de nouveaux établissements continuent d'ouvrir chaque mois à Dubaï. C'est beaucoup plus difficile en ce moment parce que je pense qu'il y a eu une quinzaine, vingtaine d'ouvertures depuis 18 mois. Ce qui est quand même assez conséquent. Et chaque hôtel ayant 300, 400 ou 500 chambres. Le nôtre a 90 clés. Donc l'enjeu est là. Yannick, c'est son nom qui est aussi sur la sellette. C'est le mien, mais c'est aussi celui de la compagnie. C'est le propriétaire aussi qui est sur la sellette, parce qu'on a tous envie de réussir. Alors pour se démarquer de ses concurrents, Olivier a eu une idée un peu folle. Créer un restaurant sur pilotis, accessible par bateau, juste en face de l'hôtel. Un concept unique à Dubaï, mais qui aujourd'hui est devenu un casse-tête pour les chefs de chantier. Sur ce projet, il y a 2 mois de retard. 2 mois, il y a 65 piliers qui sont descendus à 30-35 mètres. Et ça, ça a pris 3 mois et demi au lieu des 6 semaines qu'on avait initialement prévu. Ce matin, tout le monde est sur les nerfs car le retard accumulé est en train de compromettre l'ouverture de l'hôtel. Vous êtes inquiet ? Oui, parce que si ce n'est pas fini, on ne peut pas louer toutes ces chambres qui sont ici, qui ont une vue directe sur la marina. On ne pourra pas louer ceci aux clients. Et ça pourrait donc retarder pour nous donc les ventes, si vous voulez. Mais c'est surtout sur cette fameuse marina qu'ils ont prévu d'organiser dans un mois la grande soirée d'ouverture qui accueillera 400 personnalités du tout Dubaï. S'il faut travailler 24 heures sur 24, c'est ce qu'on le fera, tout à fait. On est déjà quoi, 18, 19 heures
24, déjà. On est déjà à 24. La nuit, on se réveille et on, on dessine et on note. Beaucoup. Et les prochaines nuits risquent d'être encore plus courtes, car avec la marina, ils ne sont pas au bout de leur surprise. Garde-toi là. Direct. Vous voulez que je fasse le tour du repos? Non, c'est bon, c'est bon. C'est impressionnant, hein, d'imaginer qu'en 2 ans on arrive à faire de telles choses, c'est incroyable, hein, incroyable. Allez, on va travailler. Yannick Aleno a fait un voyage express pour faire un point avec ses équipes et constater l'avancée du chantier. Ah, ça y est, c'est parti, c'est magnifique. Ah, ouais. Première découverte, ce restaurant de 90 couverts qui proposera une cuisine internationale. Ça s'articule bien tout ça, hein ? Mais Yannick est surtout impatient de découvrir celui-ci, un restaurant beaucoup plus personnel. Et ses premiers mots sont surprenants. Il est sexy ce restaurant. C'est sexy, ah oui. Wow. Ce concept de restaurant, Yannick souhaite l'implanter un peu partout dans le monde. Un restaurant de cuisine française, simple mais haut de gamme, dans un cadre intime, avec en prime une bibliothèque pâtissière au cœur de la salle. C'est très moderne, c'est très chaleureux, très sexy, je suis très content. C'est un peu... tu vois? Ah ouais. C'est dingue. C'est du détail, là, c'est beau. Le stencils. Et celui que Yannick a choisi pour diriger cette cuisine, c'est Sébastien. Et t'as enfilé les clés? Ouais, ça y est, c'est parti. Ça y est, ils ont tout fini d'installer ou quoi? Non, il y a encore quelques petits soucis, mais la broche, ils ont le... Ils ont rehaussé ça? Ça, c'était rehaussé de 5 cm. D'accord. On ressent évidemment beaucoup de plaisir parce que ce projet, on le vit depuis tellement longtemps qu'aujourd'hui, il existe, il est concret, c'est pas du papier. Hein. C'est de l'inox, c'est du fer, c'est de la fonte. Et puis, on a juste envie d'ouvrir le restaurant et de faire entrer des clients pour faire notre métier premier qui est de faire de la cuisine. Hein. À 33 ans, Sébastien a déjà décroché 2 étoiles au Japon. Et pourtant, Dubaï représente un enjeu énorme à ses yeux. C'est une grosse pression. Son nom est quand même réputé dans le monde. Aujourd'hui, il faut qu'on garde le standard. Il faut qu'on garde le standard Yannick Aleno. So, here, you get the hot section. On this area, it's going to be the vegetable section. Here, it's going to be the meat and fish section. Tous ces gens, c'est des jeunes petits commis qui viennent d'Inde. Pour eux, ici, tout est nouveau. Dubaï est nouveau. Les cuisines, des cuisines comme ça, ils n'ont jamais vu. Hein. Et il va falloir qu'ils s'imprègnent un petit peu de l'établissement. Et j'en suis sûr qu'on va en faire du très, très bon personnel. 15 jeunes commis qui, pour la plupart, sortent tout juste de l'école. Sébastien doit donc tout reprendre à zéro. Premier cours, le taillage. On leur apprend les choses basiques. Exemple, la julienne, ça doit faire 6 cm de long sur 1 mm de large. C'est des choses qu'il va falloir qu'on leur inculque, parce que c'est des choses, je pense, qu'ils n'ont pas forcément acquis durant leur expérience en Inde. Hop, 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 hop. What you want to cut here? 6 cm, it's about this. This is too thick. Too thick. We have to make more thin. Little bit more thin. This one, too thin. Il y a encore pas mal de boulot, mais bon, avec persévérance, on va y arriver. Hein. See? It's not really, let's say, a nice julienne, but you know, we need to keep learning, and then it should be okay. Not should be okay, need to be okay. No choice. Hein? En un mois, tous devront maîtriser les codes d'une cuisine haut de gamme. Fatima a 21 ans. Elle fait partie des 350 recrues de l'hôtel. Je viens ici pour un petit café ou un thé. Bonjour. Good morning. How are you? Il y a quelques mois, elle a quitté son Maroc natal pour tenter sa chance au Moyen-Orient. Et ce matin, elle commence sa formation de service en salle avec Vincent, son manager, et Pem, l'un de ses collègues.
Objectif, présenter en français la carte du petit déjeuner. Bonjour, monsieur, ça va? Comment allez-vous today? Ça se bien? Pardon, je suis désolée. C'est pas grave, c'est très bien. Allez, on recommence. D'accord. Fatima doit maîtriser les quelques formules de politesse en français, car l'hôtel attend 30% de clients francophones. Bonjour, monsieur. Comment ça se passe? Ça marche bien? Non, non, ça, tu dis pas ça. Pourquoi? C'est pas bien? Non, ça, c'est avec tes amis, tu dis ça? Eh ben. Alors, en français, tu dis pas ça. Je mets de côté mon poste de manager et je me transforme en prof de français pour arriver à quelque chose de parfait. Bonjour. Bonjour. Comment ça se passe? Non, tu... J'avais fait Fatima, on recommence. Je t'ai dit, écoute-moi bien. Écoute-moi bien, concentre-toi, regarde-moi, oublie tout ce qu'il y a là. D'accord. Il n'y a que toi et moi. Ouh là là. Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, merci. Comment ça... Bien, Abdullah. Abdullah, ça c'est au Maroc, ça tu dis ça. D'accord. Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment allez-vous? Merci. Comment ça se passe votre nuit hier? Ah, je vais dormir avec la clé. C'était bien, Abdullah. Voilà. Yannick Aleno repart déjà. Car en plus de Dubaï, ce chef cuisinier devenu chef d'entreprise est à la tête de 3 autres restaurants à travers le monde. Ça va être de dormir un peu dans l'avion, histoire de me reposer, d'être frais demain matin pour retourner travailler au Maurice. Ça ne s'arrête pas là. Il est quelle heure là? Il est 11h20. On a l'avion dans une petite demi-heure. On arrive à Paris à 5h30 demain matin. Histoire de prendre une douche, se raser, on retourne en cuisine. Vous arrêtez jamais là? Rarement. Les jours passent et l'hôtel prend tout doucement forme. La mise en place des 90 chambres commence. Pendant ce temps-là, Sébastien continue la formation de ses commis et travaille sur les plats envoyés par Yannick. À l'extérieur, les derniers palmiers sont en train d'être plantés. La marina, elle, accumule toujours plus de retard. 1500 personnes s'activent aux quatre coins de l'hôtel pour que l'établissement ouvre à temps. Il vient juste de m'appeler, je lui ai demandé « Où êtes-vous, votre Altesse ?» et il m'a dit qu'il était aux palmes. Il faut absolument qu'on puisse lui montrer quelque chose de correct. Olivier vient d'apprendre qu'un homme très important était en chemin vers l'hôtel pour une visite improvisée. Il prévient Michael. Michael a quelques minutes pour faire place nette, rendre l'hôtel présentable. Car l'homme qui s'invite par surprise n'est pas du genre à attendre. Vous n'avez qu'à voir le numéro sur la voiture, vous avez compris l'importance de la personne qui est devant nous. C'est-à-dire, c'est quoi son numéro? Il est à partir de son numéro. Là, vous voyez, il est single digit. Bon, en général, tout ce qui est en dessous de 10 en plaque d'immatriculation, ça indique une personne assez importante sur Dubaï. Moi, j'ai 5 chiffres, vous savez, je suis humble. L'homme à la plaque numéro 9, c'est lui, le Tchèque Ahmed El Maktoum, numéro 2 de Dubaï, membre de la famille royale, président de la plus grosse compagnie aérienne, mais surtout le propriétaire de cet hôtel. Car à Dubaï, quasiment tout appartient à la famille royale. Le soir, la piscine sera éclairée de l'intérieur. Ah, tu pourras dormir dehors alors. Et donc, les invités pourront faire absolument ce qu'ils veulent. Ah, je ne pose jamais de questions, vous savez, je suis un hôtelier. Le chèque a l'air de bonne humeur, alors Olivier n'hésite pas à en rajouter. Vous allez voir, votre Altesse, tout le monde va vous appeler pour vous dire « Oh, qu'est-ce que je pourrais faire pour obtenir une chambre ce soir? J'aimerais tellement venir avec mon bateau. » Le chèque a investi 150 millions de dollars dans cet hôtel de seulement 90 chambres. Alors quand il découvre les lits, sa visite s'arrête net. Le lit, il a l'air petit ici. C'est une chambre basique, mais non, vous savez, la chambre est grande et c'est un lit de 2 mètres sur 2.
En fait, c'est parce qu'il y a trop de coussins sur le lit. Si ça ne vous dérange pas, je vais fermer car je voudrais prier. Vous voyez, ça c'est un moment important. Voilà, c'est le moment de la prière, donc par respect, il veut un peu de temps pour lui. Merci, votre Altesse. I know. C'est vendredi aujourd'hui, je sais. Donc c'est prière aujourd'hui. Au final, le cheikh ne sera resté que 20 minutes à l'hôtel, mais avant de partir, il s'offre tout de même une photo souvenir. Your Highness, thank you for coming. Good to see you too, Aram. Wonderful. Okay, thank take care. Thank you very much. Nice to see you. See you again. Thanks. Take care. Yannick Aleno est de retour à Dubaï pour un test déterminant. Vérifier que Sébastien et sa brigade sont capables de reproduire les plats qu'il a créés depuis Paris. Cela fait plusieurs semaines qu'il s'entraîne sans relâche. On va commencer la préparation de la grande dégustation aujourd'hui. Je veux être sûr que vous avez tous bien compris ce que vous avez à faire. Ne stressez pas, c'est exactement le même exercice que la semaine dernière pendant les entraînements. Je veux que tout soit parfait. C'est très important. Là, on a une heure et demie pour lui envoyer 27 plats. Ok, we start? Bocuse dit toujours, si les cuisiniers goûtaient plus leur cuisine, on mangerait mieux en France. Donc je pense qu'il est important pour un cuisinier de goûter son plat et de l'apprécier et de le critiquer. À partir de là, ça mène vers l'excellence. Dépêche-toi un petit peu, s'il te plaît. Tu mets ça dans le four, merci. Pour ce restaurant, Yannick Aleno a choisi de proposer quelques grands classiques, comme par exemple cette salade César, servie en millefeuille, à laquelle il a ajouté du homard. Doucement, très doucement. Voilà. On tient bien le plateau droit et on y va. Je regarde le dressage, si je peux changer les choses. Je pense qu'il faut... C'est pas assez... Non, je suis en train de regarder le chef. Qu'est-ce qu'il est en train de penser. Ça c'est trop. Tu peux en enlever carrément la moitié. D'accord. Tu vois ce que je veux dire, on gagnerait en finesse à le faire plus... plus petit, ça, plus monté. D'accord. Le poulet est bon, hein, c'est quoi, il vient de ce poulet, hein. C'est du poulet de France. On importe beaucoup de choses ici. Hein. C'est une répercussion financière importante. Hein. Parce que les choses, il faut les faire voyager. Quoi. Il n'est pas bien nourri, le bar. Oui, go. Two spinach size order, one mashed potatoes. Ça fait plaisir. La cuillère, faut pas mettre. Non. On vire la betterave. Guys, bon les gars, comme vous le savez, nous ouvrons le restaurant bientôt. Je suis très content du travail que vous avez accompli avec Sébastien. Et je suis sûr qu'il deviendra le meilleur restaurant de Dubaï si vous continuez à travailler comme ça. Donc félicitations et bonne ouverture à tous. Dans un hôtel, le café est un poste stratégique.
Alors pour s'assurer que la qualité est bien au rendez-vous, Michael veille au grain. Fatima, can you make me a coffee? Single or double? Single, please. Just make me a single espresso. Of course, I need that. Je désire que les gens de Dubaï disent pour boire un bon café, il faut venir jusqu'au Palme. Que les gens viennent ici pour boire le café. Mais visiblement, le café, ce n'est pas la tasse de thé de Fatima. Why is she pulling so many times? Oops. What's wrong now? I do it something mistake. Attends, Fatima, d'accord? Avant de faire quoi que ce soit. Maintenant, c'est bien. Et finalement. Et enfin, j'avais fait. Tu peux tester pour me dire comment elle est. Merci. Bien, je vous en prie. Un peu amer encore. D'accord, je dois le faire. Un peu amer. D'accord. On refait un autre? Of course. D'accord. Si je devais mettre une note, ce serait un 8 sur 20. Finalement, Michael ne prendra pas le temps de goûter le second café de Fatima, car l'heure tourne et le retard s'accumule toujours. Dans deux semaines, la soirée d'ouverture doit avoir lieu ici sur la marina. Mais à ce jour, son organisation est compromise. Le chantier a pris un retard quasi insurmontable. Le gros problème, vous savez, c'est le béton. C'est vraiment compliqué pour le faire venir ici. C'est très difficile à faire venir le béton. L'accès est très difficile, c'est très petit, c'est tout à la main. Ça prend beaucoup, beaucoup plus de temps qu'ils avaient calculé au début. So all this way you have the white foam, tonight all finished. 15-20 trucks. Donc peut-être qu'on peut faire venir plus de camions, il va juste téléphoner maintenant pour voir. Michael est anxieux, mais il veut y croire. À Dubaï, l'impossible devient le possible. Et les miracles, les rêves deviennent réalité. En tout cas, vous l'espérez, quoi. Je l'espère et je l'ai vu, je le crois. On sera prêt dans les temps, Inch'Allah, on fera de notre mieux, on travaillera plus. Très très bien, bon, sûr, hein? Oui, oui, on va travailler plus et on va faire appel à plus de monde, plus de gens par jour, ok. Les 500 ouvriers ont désormais 15 jours et 15 nuits pour que la marina puisse accueillir à temps les invités venus du tout Dubaï. Le restaurant sur pilotis est un projet ambitieux et aussi très coûteux. Pour le rentabiliser, Olivier doit, en plus des clients de l'hôtel, attirer une clientèle du centre-ville. Mais problème, le palace est très éloigné du centre de Dubaï. Alors ce matin, Olivier a décidé de se rendre ici, sur l'autre rive, juste en face de son hôtel, pour un test crucial. Testing time. L'objectif du jour, trouver une solution pour réduire le temps de transport entre le centre-ville et la marina. Si vous deviez le faire en voiture, sortir, repartir, aller là à gauche, il y en a pour au moins 25 minutes. L'objectif aujourd'hui, c'est de se rassurer qu'on peut faire ce que nous avons prévu entre le ponton de notre plage jusqu'au Wananli de Palme. On espère le faire entre 9 et 11 minutes. Et pour diviser le temps de transport par deux, Olivier a mis les moyens. Il s'est offert un bateau. Ses clients viendront par la mer. We ready to go? 5, 4, 3. Fantastic. Let's go, Captain. Thank you very much. Le test du chronomètre est absolument déterminant. Si le trajet fait plus de 10 minutes, Olivier sait qu'il peut avoir 20 à 30% de clients en moins. C'est pratiquement la perfection, hein? Bon, on est peut-être, voilà, on est une fois le client arrivé sur le quai, on est dans les 11 minutes. Il a fait un voyage à 5 nœuds, je pense qu'il faut qu'il pousse sur 6 nœuds. C'est 6 nœuds. Hein ? Olivier n'est pas satisfait, d'autant plus qu'à 5 jours de la soirée d'ouverture, 500 ouvriers travaillent encore sur la marina. Il
Là, elle commence déjà à prendre de la couleur, mais là, il faut la laisser cuire, il faut la laisser évaporer l'eau. À la suite de la dégustation, Yannick a décidé de repasser derrière les fourneaux pour assurer les derniers réglages. Je fais un petit beurre noisette dedans ou un peu d'huile d'olive. Façon sel avec le parmesan. Hein. La cuisine, ça lui manque tellement qu'au bout de deux jours, il faut qu'il retourne dans les cuisines. Là, on a un travail qui est pas celui que j'entends. Je veux qu'on enlève tout le gras de la côte d'agneau, qu'il soit super bien nettoyé. C'est toi qui les détalonnes, les carrés, là Non. Bon, il faut que tu vois le boucher, là, qui te les détalonne comme il faut. Ouais. Moi, ce que je veux, c'est une petite noix, là, noisette, comme ça, bien propre, bien jolie, une belle côte bien dessinée. OK? C'est parfait. What is the brain call again? À la française. À la française. Je l'ai vu dans les magazines et aujourd'hui il m'a appris quelque chose. Je suis vraiment, vraiment heureux. Et pour Michael aussi, il n'y a plus de temps à perdre. Chaque minute, il faut la gagner. Une minute, il faut la faire travailler comme une heure. Là, il travaille encore, c'est quoi, minuit 10. Les chambres sont enfin finies. Alors à partir de ce soir, il a décidé de dormir à l'hôtel. Mais ce n'est pas uniquement dans le but de s'y reposer. Michael commence sa phase de test. Je vais dormir ici ce soir pour tout simplement vivre la chambre comme un client, pour être sûr et certain que tout fonctionne. Un test obligatoire car chaque chambre sera louée en moyenne 800 euros par nuit. Alors à ce prix-là, le client ne laisse rien passer, Michael non plus. Il va tout vérifier dans les moindres détails. Même pas 15 secondes, on a de l'eau chaude. Michael se met réellement dans la peau d'un client. Alors pour vérifier si la douche fonctionne parfaitement, il n'hésite pas à se mouiller. Bon, ça y est. Sympa votre t-shirt. Ouais, mais toute la journée, on est costume, tout ça. Là, on est à la maison. C'est même je suis pas à la maison, je suis là en hors privé. Et même au moment de se coucher, le test continue. Là, je teste en fait la douceur du drap. Quand on teste le drap dans un bureau, c'est très différent en le testant avec la main qu'en le testant dans une chambre après une douche. Dans un lit, c'est une expérience totalement différente. Qu'est-ce qu'on voit quand on est un client qui dort dans le lit? L'hôtellerie, ce n'est pas un travail, c'est un style de vie qui ne s'arrête jamais. Oh là 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 là. Le minibar. Quand on éteint la lumière, ça s'éteint le frigo. Pour l'instant, j'ai compris que soit c'est la lumière et le frigo, ou c'est pas de lumière et pas de frigo. Et donc pour ce soir, vous éteignez? Pour ce soir, j'éteins parce que moi, j'ai envie de bien dormir bien comme il faut. Et on va trouver la solution demain matin. Au final, 5 jours avant l'ouverture, Michael décidera de changer les 90 minibars. Bezol, pesto, d'olive. On n'a aucune limite de budget pour ce cocktail. Ce cocktail, il faut que ça soit quelque chose
de remarquable et que ce soit une date à Dubaï. Mais ça arrive. Il y a encore 15 jours, Michael courait après le béton pour la marina. Les ouvriers ont finalement réussi l'impossible. Le chantier s'est achevé au petit matin. Pendant que les dernières pelleteuses sont en train d'être évacuées, la mise en place de la décoration commence. Il y a facilement 300 à 400 personnes qui finissent. Il y en a autant à l'intérieur, il y en a sous les toits, il y en a sur la terrasse. Après 2 ans d'un interminable chantier, c'est enfin le grand jour. Un jour qui va déterminer l'avenir de l'hôtel. Bah, c'est un peu tendu. Hein. On est vraiment là un petit peu sous pression. Oui, surtout quand on voit l'enjeu. Il y a quand même 350 personnes qui représentent le tout Dubaï. Et les gens, c'est malheureusement la première soirée, c'est la découverte. Et ça sera la première pour certains. Et peut-être la dernière impression. Au même moment, du côté de Sébastien, c'est un peu la panique. Non mais, c'est une blague. Il n'arrive pas à joindre la marina. Ah non, service non disponible. Ah ouais, son téléphone, il ne doit pas passer à la marina. Fuck. T'as vu, c'est toujours comme ça, dernière minute, t'as toujours un truc qui tombe sur le nez. Mais bon, ça fait partie du jeu. La situation est grave. Sébastien ne peut pas joindre la marina et faire venir ses camions frigorifiques pour transporter les pièces du cocktail. Le temps presse. Il décide alors d'organiser une opération commando. Donc qu'est-ce qu'il va falloir prendre ? Il va falloir prendre des bacs plastiques comme ça, mettre tout dedans, filmer et emmener comme ça. C'est la seule solution qu'on a aujourd'hui. Le risque, c'est qu'il y a un chariot qui se mette le pied dans un truc, qui se mette la roue dans un trou et touche à bière. Ça, c'est le gros risque. Mais bon, si on n'aimerait pas le risque, on ne serait pas cuisinier. Voilà. Allez, hop, on y va. Là, c'est la course contre la montre. Dis-leur d'aller doucement là-bas. Il y a deux risques. C'est soit l'échelle à tomber, et si on va pas assez vite, les foie gras prennent le chaud et on est foutu. La tension est palpable. Il a désormais moins de 5 minutes pour assurer le transport. Arrête, run. Allez, vas-y, là, c'est bon. Vas-y, en quille, là. Mais il est con, il fait exprès, là. Pousse-le. Il va sortir direct. Hein, you, when I told you to run, my friend. Hein. Vas-y, t'occupe pas, mets tout dans les frigos, on voit après, là, s'il te plaît. Ça, c'est fait. Ouais, mission accomplie, toujours beaucoup de stress et 5 minutes de gros stress parce que tout peut se passer. À 20h30, les premiers invités arrivent par bateau.
Please, come on through. Please, good evening. Et c'est Michael, pas très à l'aise, qui se charge de l'accueil. Very good evening, welcome. Very good evening, welcome. Good evening. Very good evening, welcome. Il semble chercher désespérément Olivier, qui lui prend tout son temps. Bah, aujourd'hui, c'est la fin d'un grand marathon, mais c'est le début d'un autre sans fin. C'est ça la grande difficulté. Ou le challenge. Where is Christine? Ce soir, il n'y a pas que le tout Dubaï. Même les grands patrons du luxe français ont fait le déplacement. J'aime bien être les premiers à découvrir et faire découvrir à nos amis des endroits qui n'existent pas encore. Donc voilà, même si on vient de mettre les derniers boulons. Généralement, 24 heures avant l'ouverture d'un magasin, c'est un chantier. Et 3 heures avant le défilé que Marc Jacobs fait à Paris, toutes les robes ne sont pas terminées. Donc, je veux dire, vivre dans cette espèce de tension qui amène la création, c'est aussi notre adrénaline à tous. Qu'est-ce que vous êtes comme, une tension qui n'est pas près de retomber. En coulisses, c'est le coup de feu pour les cuisiniers. Yannick impose la cadence. Là, c'est le moment où il faut commencer à tendre la corde. Tout le monde se relâche un peu. Il faut que tu testes, hein. Tu testes, le chef doit tester. Tu dois un peu de salamandre, là. Les chefs. The car is hot, ok? For you? Tiens, c'est pour toi, c'est du gazpacho. It's okay? À l'extérieur, les personnalités prennent place dans le carré VIP. Le Cheikh Ahmed, lui aussi, participe à la fête. Fatima n'a pas encore le niveau pour servir les invités de marque. Elle est autorisée seulement à apporter les couverts. Mais pour elle, c'est déjà un grand privilège. Je ressens que je suis proche de la famille royale. C'est un rêve pour moi de contacter directement le nom de l'acteur et la famille royale. C'est pour moi quelque chose de bien. Je suis vraiment, vraiment très content. Les invités sont détendus, l'ambiance commence à monter. C'est le moment que choisit Michael pour démarrer le feu d'artifice. On 3, on 2, on 1, we go! Olivier a gagné son pari, ouvrir dans les temps son quatrième hôtel à Dubaï. Même le Cheikh est ravi. Très créatif, vraiment très créatif. Merci, merci. Et vous savez, il s'occupe de tout. Les trois restaurants, la pâtisserie, le room service, il a pensé à l'ensemble du concept. Vous en avez pour votre argent avec lui, hein? Il est minuit, la soirée bat son plein. C'est pourtant le moment qu'a choisi Yannick pour tirer sa révérence. Bon les gars, on se voit dans quelques jours. Bravo pour ce soir, vous avez fait du bon boulot. Salut, courage. Allez, on se voit dans 2 semaines, bye bye. Ses équipes à peine installées, Yannick repart déjà. Ben là, je retourne vers Paris, je prends l'avion... À 2h du matin. C'est à peine terminé que vous êtes déjà parti. À peine terminé et déjà reparti, ouais. Car Dubaï n'est pas sa dernière aventure. Dans quelques mois, Yannick Aleno devrait ouvrir un nouveau restaurant au Liban.